Salut à tous, bienvenue sur une nouvelle saison du Mister Test. On a testé pour vous donc le Stock Lio 2 en 170 cm, 15,7 mètres de rayon, 1060 euros nu. C'est un ski chandroit, construction très solide, classique. Un ski pour tailler des courbes, mais aussi très léger. Très léger aux portées et très léger en sensation. Ce qui fait qu'on se sent très vite à l'aise sur ce ski, avec très peu de contraintes, il n'y a pas des ferrailles. Par contre, l'autre avantage, c'est qu'on a un toucher de neige feutré, raffiné. On a l'impression de voler pratiquement sur la neige et d'avoir des déclenchements du fait de sa légèreté très facilitée. En grande courbe, nous, on l'a testé en 170, c'est vrai qu'il est un petit peu limité. Il reste relativement quand même, voire très stable par rapport à sa taille. Maintenant, si on le pousse beaucoup plus loin, on trouve forcément ses limites, surtout sur les neiges très compactes, voire glacées qu'on a pu pratiquer. Par contre, ce qui est toujours aussi très appréciable, c'est la prise en main, notamment en début de courbe. Le ski vous emmène très facilement dans la courbe. Il n'y a pas besoin de rentrer dedans pour tourner, tout simplement. Et en petite courbe, c'est encore, on va dire, plus facile, plus appréciable. Il vous emmène très vite dans le virage. Il vous permet aussi de pivoter. Ça, c'est en partie lié à sa légèreté. Et puis derrière, le rendement est génial. C'est un ski qui est plus réactif que puissant. On s'en sent pas forcément la puissance. On n'a pas envie de lui rentrer dedans. On a plutôt envie de le laisser jouer. C'est un ski qui est très joueur, qui passe vite d'une carte à l'autre. Et donc, génial en petite courbe. Un ski très joueur et en même temps très sportif que je conseille à un grand nombre de skieurs parce qu'effectivement ce côté léger, facile au déclenchement lié à un bon grip et un toucher de neige exceptionnel, ça ouvre un spectre très large. Et puis surtout on a des sensations qui sont assez fabuleuses sur ce type de ski, donc un coup de cœur d'autant plus que on aime ou pas, mais il est quand même très beau et très raffiné.